Vous avez vu que les produits qui apparaissent le plus dans un petit coin, mais c'est les produits de chez Love & Green. Donc c'est une marque assez écolo pour bébé, puisque j'ai les couches que je lui mets depuis qu'il est né. D'ailleurs, c'est le dernier paquet, un mois, qui me reste, puisque ça y est, il a grandi. Après, je passerai sur celle, sur la taille 2, pardon, puisque j'étais sur une taille 1. J'ai aussi les lingettes, donc celle-là, à base d'eau de fleur d'oranger. Et là, en ce moment, j'utilise celle-ci. Vous voyez, à 98,8% d'eau pure, donc spéciale peau sensible. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de parabène, c'est hypoallergénique. Ça, c'est bien. Et j'ai tous les produits aussi de nettoyage. Donc, le liniment, c'est celui-ci que j'utilise avec des petits carrés de coton. Mais regardez les couches, elles sont comme ça. Elles sont trop bien. Alors, c'est vrai qu'au départ, j'avais pris Pampers aussi. Et vous avez été très... Je disais avant que ça coupe que vous aviez été très nombreuses à me déconseiller Pampers. Du coup, c'est celle-là que j'utilise maintenant depuis un bon petit moment. Et elles sont trop, trop bien. Et vous voyez, c'est des tailles 1, celle-là. Mais pourtant, elles ne sont pas toutes minuscules. Elles sont vraiment bien. En tout cas, je lui vois encore à Kenan. Et il ne m'a fait aucune réaction avec. Il n'y a rien qui déborde non plus. Bon, c'est dû arriver une fois où c'est sorti par le haut. Mais je veux dire, ça ne déborde pas des côtés. Elles sont vraiment trop, trop bien. Donc, je les range ici dans son petit coin. À chaque fois, je les recharge. Et puis après, ici, donc, on a la crème hydratante visage et corps. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de parfum. Moi, j'aimais bien quand il y avait certains parfums pour bébé. Mais au final, ça sent juste le propre, quoi. Et au moins, je suis sûre qu'il ne me fera aucune réaction allergique. J'ai aussi le gel lavant corps cheveux. Ici, j'ai le gel lavant aussi qui est sur gras. Et le liniment donc que j'utilise. D'ailleurs, je l'utilise à chaque fois que je le change, en fait, tout simplement. Voilà. Et je passe aussi des lingettes. Je commence par enlever le gros avec des lingettes. Puis ensuite, petit carré de coton, liniment. Comme ça, ça hydrate sa peau. Et puis, on enfile la couche. Voilà son petit coin. Après, j'ai aussi d'autres produits. Bon, là, c'est ces petites vitamines que je dois lui donner tous les jours. J'ai un autre liniment aussi. Celui-ci, c'était à l'hôpital qu'on me l'avait prescrit. La Bepanthène, puisqu'il m'a fait certaines irritations au niveau de l'entrejambe notamment. Enfin, pas des irritations, mais vous savez, la peau qui pèle. Il avait ça au niveau du cou, de l'entrejambe et des aisselles. Et franchement, radical. Radical, radical. Donc, je lui en ai mis sur ces zones-là et je la garde ici pour quand ça recommence. Quelques petits produits aussi de chez Mustela, des petites crèmes pour le visage, etc. Notamment celle-là que j'utilise aussi qui est vraiment bien pour son visage. Et ici, c'est une eau nettoyante. Quand il recrache un petit peu, je lui en mets un petit peu sur un coton. Et ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est trop bien. C'est un spray asséchant qui est apaisant. Alors pareil, je le mettais en complément de la Bepanthène quand il avait ses petites irritations. Un petit spray. Et franchement, je pense que ça, avec la Bepanthène, en 2 jours, Pardon, il n'avait plus rien du tout. C'était trop trop bien, donc voilà. Ça, c'est un truc que je vous recommande. Pareil, on l'a pris en pharmacie. Et ça marche vraiment bien. S'est réveillé de sa sieste. Enfin, sa sieste. Mon fils, mon amour, maman. Chut, ça y est, mon fils, maman, elle est là. Maman, elle est là, mon cœur. Ah, il m'a vu d'amour.